Chers auditeurs, bonjour. Et voici le retour de Klezmer Attitude. Cette semaine, c'est de la musique séfarade que je vous propose. J'ai un album à vous proposer, même un groupe de musique séfarade canadien. Et oui, il y en a aussi. Ça s'appelle l'ensemble séfarade et méditerranéen. Et il nous fait découvrir la musique traditionnelle séfarade, comme d'autres groupes que j'ai déjà passés dans cette émission. Et ils ont sorti, il n'y a pas si longtemps, un album qui s'appelle Chants séfarades de Thessalonique. Thessalonique, c'est en Grèce. Et ça a la particularité d'être une ville qui a connu pendant très longtemps une majorité juive et donc qui a su conserver les traditions musicales, notamment de la communauté séfarade venue d'Espagne et qui s'est installée à travers le bassin méditerranéen. Et donc c'est ces chants-là que nous propose l'ensemble séfarade et méditerranéen. Je vous propose une première chanson qui s'appelle El Moro de Antequera.
El Moro de Antequera, l'ensemble séfarade et méditerranéen. Donc c'est un chant séfarade de Thessalonique. Alors qu'est-ce que raconte cet album? Hein, au bord de la Méditerranée, Thessalonique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule ville à avoir conservé une majorité juive pendant des siècles après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Et donc, le groupe Ezem, hein, l'ensemble séfarade méditerranéen, intègre son approche propre, personnelle, de la musique ancienne, de la musique classique, et de cette vision qu'ils ont des chants séfarades. Et donc, on voit une grande beauté mélodique dans ces chansons. Et on en écoute un deuxième, ça s'appelle La Princesa y el Segador, la princesse et le moissonneur. On croirait une fable de La Fontaine. Oh.
Francesa y el Segador par l'ensemble Sepharad et Méditerranéen, donc un groupe canadien de musique sépharade. Allez, je vous en propose un troisième, Los Trabajos de la Semana, les travails de la semaine, toujours tiré de cet album de chants sépharades de Thessalonique. Marido
Los trabajos de la semana, les travaux de la semaine, par l'ensemble séfarade et méditerranéen. Alors cet ensemble avait déjà sorti un premier disque avant ces chants séfarades de Thessalonique. Il a été fondé par une chanteuse lyrique qui s'appelle Hélène Martinez et qui s'intéressait au parcours des juifs séfarades à travers le bassin méditerranéen et jusqu'au Moyen-Orient. Et donc ils avaient sorti un premier album qui s'appelait simplement Ensemble Séfarade et Méditerranéen, avec des pièces qui étaient arrangées par Jean-François Daigneault, un des musiciens de ce groupe, et qui évoquent un peu la musique de la Renaissance avec des effets plus contemporains. Donc c'est comme toujours un mélange entre une tradition qui nous vient de loin et le vécu des musiciens d'aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on vous propose souvent dans cette émission et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, on va écouter un dernier morceau de cet ensemble séfarade et méditerranéen, Una Matica de Ruda. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.